bonjour à tous. Merci de votre accueil. C'est très, très gentil. Je vous propose aujourd'hui une petite maxime. Au moment où commence avril, l'esprit se doit d'être subtil. Nous avons, avec nos invités du jour, essayé, bien sûr, de rester fidèle à cet adage. Nous avons tenté de rester subtil l'espace d'une demi-heure où prône sourire et bonne humeur en compagnie de Lucienne. Comment allez-vous? Très mal, Jean-Luc. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai le cœur qui tape à 150 à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Votre cœur tape à 150 à l'heure? Au moins, au moins. Mais ça va aller quand même? Ben, je sais pas, on verra bien. D'accord, hein. Je vous accompagne. Le SAMU est pas loin. Le SAMU est pas loin? Ah, bah, alors, écoutez, on a tout ce qu'il faut. Alors, je suis sauvée. Mais vous avez été tirée au sort, ça vous fait plaisir quand même, Lucienne? Non, j'ai peur. Vous avez peur? Je suis venue avec deux belles nanas. Oui. Et c'est moi, un vieux jeton, que vous tirez. Alors, mais attendez. Mes deux petites filles, Sophie et Frédéric. Vous êtes venue avec vos petites filles, oui. D'où êtes-vous? Moi, je suis de Marseille. Oui. Ma petite fille Sophie est de Martinique. Oui. Et ma petite fille Sophie, ma petite fille Frédéric, je ne sais plus d'où elle est, de Thonon-les-Bains. De Thonon-les-Bains. Eh bien, écoutez, on vient de partout pour revenir attention à la marque. Il y a beaucoup d'émotions. Oh oui. Mais ça va bien se passer, Lucienne. Je l'espère. Mais j'en suis persuadé. Je vous accompagne parce qu'il y a encore deux petites embûches, une ici et une là-bas. Et je vous souhaite vraiment bonne chance, Lucienne. Je vous remercie, Jean-Luc. Merci à vous d'être venu, bien sûr. Je vous demande d'accueillir Aurélie tout là-haut, s'il vous plaît. Et est-ce que vous, votre cœur bat à 150 comme Lucienne? Pareil, exactement pareil. Pareil, ça va aller quand même? Oui, ça va. Ça va aller, tout va très bien. Aurélie est parmi nous et elle est suivie d'un être raffiné, je n'en doute point. Il s'agit de Steve. Ça va au début d'avril? Ça va, ça va. Ça a l'air. Souriant toujours? Oui, toujours. Et jusque-là, ça va. Et enfin, elle est ici et très jolie, Karine. Bonjour. Alors, c'est début avril, ça va? Bah écoutez, ça va, ça peut pas aller mieux. Ça peut pas aller mieux? Non. Bon, en avril, nous n'allons pas nous découvrir d'un fil. Nous allons tenter de rester subtils. Merci infiniment de nous être fidèles au quotidien sur TF1. Au quotidien, Lucienne. Mon petit Jean-Luc. Ma grande Lucienne. Qui a téléphoné? Qui vous a inscrit? Parce que c'est vrai qu'on voit toujours le numéro. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, Jean-Luc. Ah, donc c'est vous qui avez téléphoné? Oui, c'est moi qui ai tout fait. Hein. Bien. Également, donc, Aurélie, vous, on parlait de Lucienne. Vous, dans la vie? Je travaille dans une station, mm-hmm. Service. Je suis hôtesse de caisse et je mets aussi en rayon. D'accord. Dans une station service. Voilà, vous servez l'essence et tout et tout? Non. Les gens se servent tout seuls. Ok. D'accord, très bien. Steve. Oui. Et vous? Ben, je suis employé de restauration, mm-hmm. à Verdun, en Meuse. D'accord. Et je vais préparer un BTS assistant de gestion par alternance. Bien. Verdun, en Meuse. Et vous, Karine? Moi, j'ai 20 ans, je suis en deuxième année de BTS Action Commerciale. Mm-hmm. Et ils vont bien rigoler d'ailleurs de me voir là. Ben écoutez, c'est plutôt sympathique d'être étudiant. Oui, c'est une belle vie. Bien. Ils sont étudiants, ils étudient à longueur d'année et de vie. Je vous demande de dire bonjour, salut les potes. Alors, il y a Billy the Pot, Rap Pot, Surf Pot. Vous pouvez appeler vos potes pour les mettre dans l'écran, s'il vous plaît. OK. Allez-y, tout le monde dans l'écran, les potes. Les voici, les voilà. Et la première question, qui ne tente rien à rien, eh bien, qui ne risque rien, agence tout risque. Sur 100 Français, combien justement pensent que qui ne risque rien n'a rien? Le truc fou, qui ne risque rien à rien, sur 100 Français, combien sont d'accord avec cette maxime? Lucienne, vous répondez... 65. 65. Il faut prendre des risques dans la vie. Ben oui. Aurélie, vous avez déjà pris, vous, des risques dans la vie? Oui, on peut dire. Genre? Ben, j'ai forcé un barrage de police. Ah là là.
Nicolas, si tu nous regardes. Et alors, ça s'est passé comment, ce barrage de police? Bah, c'est qu'en fait, on avait contourné le barrage, quoi. Puis ils nous ont suivis. Et alors? Puis bon, on est arrivé, on a fait la fête. Avec les, avec la police ou... Ils nous ont attendus à la sortie. Bien. Aurélie, vous avez répondu? 46. 46, je pense qu'il ne reste rien à rien. Steve, vous, quelque chose de fou que vous ayez fait dans la vie? Ben, une fois, il y avait une discothèque près de chez moi qui organisait un striptease. Mm-hmm. Et comme il manquait des gens, ben, je l'ai fait. Et puis, je l'ai remporté. Vous l'avez remporté? Oui. Ah d'accord, donc vous, vous striptisez... Non, mais c'était comme ça une fois, quoi. C'est pas, ah bon, d'accord. C'est pas une habitude. Hein. Je le refais maintenant. Alors, je voudrais juste savoir, c'était quoi le lot du gagnant? C'était une paire de lunettes de soleil qui coûtait... pour tout ça, pour une paire de lunettes de soleil. Ouais. Ça va, Steve? Ouais, ça va. Super, vous avez répondu... 48. 48. D'accord, très bien, nous notons 48. Karine a répondu... 42. 42, bien. Les Français ont répondu qu'ils ne risquent rien à rien. Eh bien, à 92%, Lucienne, vous êtes la plus proche de la réponse. Vous avez le sourire, Lucienne. Alors, votre première impression, Lucienne, alors J'ai toujours peur. Vous avez toujours peur? Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous déstresser? Une bise. Lucienne, je vous aime. Karine perd un pote. Mais nous allons pouvoir nous venger sur la deuxième question. La deuxième question nous dit au maximum combien de minutes de publicité peut-il y avoir par jour? Je dis bien au maximum. Sur une chaîne de télévision en France, c'est bien sûr régi le tout par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, bonjour. Eh bien, ces durées sont fixées par décret. Ah! Régie par le CSA, donc... Absolument. Obligatoirement. À votre avis, au maximum, Aurélie Orelai? J'ai mis 7. Combien? 7 minutes. 7 au maximum par... 7 minutes. Lucienne, vous avez un petit souci, Lucienne? Je ne me rappelle plus. De quoi? Combien j'ai mis? Vous vous rappelez plus alors que je viens de poser la question? Oui. Non, je ne me rappelle plus combien j'ai tapé. Eh bien, on va... 80 minutes, vous avez marqué. À côté de 7? 80 minutes. Steve? 102. 102 minutes par jour, au maximum. Karine? 92. 92. Combien de minutes de publicité au maximum par jour sur une chaîne de télé? 144, Steve! Vous êtes le plus proche, 144, mais oui! Cela fait 2h24 minutes. Et nous citons le président du CSA, M. Dominique Baudis. Ex-maire de Toulouse, et malheureusement, Aurélie, vous perdez un petit pote, un petit peu loin de la réponse. Lucienne, si je vous dis rose, vous me dites... La fleur. La fleur? Ah, oui. Ah, écoutez, mais c'est votre côté romantique. Mais oui, je le suis, encore. Nous allons nous parler du Minitel rose. Sur 100 Français, combien ont déjà visité un site sur Minitel rose? Ils l'ont déclaré sur 100. Steve a répondu... 47. 47. Karine a répondu... 19. 19. Lucienne... 45. 45. Ouais. Et Aurélie... 39. 39. Les Français ont déclaré à 30. 30, 30. Alors, la plus proche, eh ben, écoutez, c'est Aurélie. Bravo, Aurélie. Jusque-là, tout va bien. Et Steve, malheureusement, est plus éloigné, va perdre un petit pote.
Tout le monde reste parce que là, ça y est, c'est la question. C'est la question. On va essayer de trouver un mot pour résumer vos câlins. D'accord ? Un seul mot. Karine, pour résumer vos câlins, ce mot serait... Fougueux. Fougueux ? Ouais. Et votre petit ami est là ? Oui, au premier rang. Il est au premier rang. Il se prénomme ? Manu. Manu la fougue. La fougue, pardon. La fougue. La fougue de Manu. Steve, si on devait résumer vos câlins... Tendre ? Tendresse ? Oui. Bien. Votre petit ami est là ou pas ? Non, je suis célibataire pour l'instant. C'est pour ça que c'est tendre. Bon. Aurélie ! Super. Super ? Super. Vous êtes accompagnée ? Oui. Il est là ? Oui, il est juste là. Son prénom est ? Frédéric. Freddy, super. En fait, on l'appelle Super Freddy. Lucienne, un mot, un seul, pour résumer le câlin. L'amour. L'amour, mon gars. Mais c'est tout. Alors là... Là, on va parler de la langue française. La langue française. Pour la question coquine. Combien de mots de la langue française ont été recensés pour désigner le sexe masculin ? De la langue française, donc... Il y en a beaucoup, Jean-Luc. Oui, on va pas donner d'indice tout de suite. Ah bah non. Ils ont été recensés, qui que quoi donc est-ce, dans les dictionnaires ? Absolument, avec le dictionnaire d'argot du corps, entre autres. Eh oui. Karine ? J'ai répondu 29. 29 mots. 29 mots. Steve ? 7. 7. Aurélie ? 15. 15. Qu'est-ce qu'il y a, Lucienne ? J'ai mis 15 aussi. Vous avez mis 15 aussi. Alors, des mots, il en existe tant et tant et tant et tant. Moi, j'aime beaucoup le chinois. Ah, le chinois fait partie... Fait partie, oui. Des mots... Le chinois. Il y en a d'autres comme ça, à brûle pour point. À brûle pour point, je ne voudrais pas brûler l'émission, Jean-Luc. Très bien. Et la réponse est de... 312 mots. Ouh là 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 là. Eh bien, malgré tout, c'est Karine, notre étudiante, qui est la plus proche. Et on va perdre Steve, le seul garçon qui était là ce matin. Steve va nous quitter. J'en suis désolé. On va quand même vous offrir un super cadeau, Steve, pour être venu parmi nous à midi. On vous offre une paire de Toki Woki. Les derniers cris tout mimi s'appellent Toki et Woki. Avec eux, tu vas te faire un max d'amis. Vous restez avec nous pour la question suivante qui va nous parler de chaleur. Quelle fut en degrés Celsius la température la plus élevée enregistrée sur Terre ? En degrés Celsius. Je précise, Jean-Luc, température enregistrée sous abri. C'était à Al-Azizia, en Libye, le 13 septembre 1922. Aurélie ? J'ai mis 47. 47. Lucienne ? 55. 55. Karine ? Moi, j'ai voulu mettre 58 et je crois que ça a mis 580. Ah non, 580, on va mettre 58 donc, parce que c'est vrai que bien, 58, 47, 55. La température enregistrée la plus élevée sur Terre. Il y a un tout pile.
Et le toupie est emporté par 58, Karine, oui. Eh, c'est très bon, ça. Alors, toupie, 58 degrés. Petit cadeau, beau cadeau, vous le savez. Dans une des deux enveloppes, il y a un petit jardin zen. Il est... Oui, mais il paraît qu'il rend heureux quand même. Vous savez, c'est le petit jardin, vous voyez. Et dans l'autre, elle rend encore plus heureux. C'est une super console de jeu. Rose ou bleu? Prenez rose. Vous prenez rose. Bien. On prend rose. Est-ce le petit cadeau? Est-ce le beau cadeau? C'est le jardin qui rend heureux. Pour ratisser sans point de côté, pour se relaxer sans se fatiguer, ce jardin japonais, vous allez l'adorer. Un petit jardin qui rend heureux. Bien. Alors, nous faisons les petits comptes qui font les bons amis, qui perd un petit pote... Aurélie, avec 47 degrés, on perd Aurélie. Eh bien donc, je le dis maintenant, Lucienne, il vous reste deux potes et vous allez passer sur la marche suivante. Vous avez fait un sans faute. Et également, Karine sera à mes côtés, heureuse étudiante. Et pour Aurélie, pour vous, on va vous offrir quatre passeports pour Marne-la-Vallée. Vous les avez bien mérités. Entrez à quatre dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Ça va ? L'essentiel est bien sûr que nous avons passé une bonne fin de matinée et nous nous retrouvons bien sûr sur la marche suivante en votre compagnie. Toutefois, si toutefois vous voulez gagner 1000 euros, est-ce que vous, Lucienne, de temps en temps, vous téléphonez? Vous savez, à la fin d'émission, il y a un numéro de téléphone que l'on donne là maintenant, 0-897-76-4000. Vous avez déjà essayé de téléphoner pour gagner 1000 euros? Oui. Merci, Lucienne. Lucienne, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'étais jute de carrière. Vous étiez? Jute adjudant. Adjudant? Mais dans quelle arme, si je puis me permettre? Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Qui a-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attendez, on va... Qu'est-ce qu'il y a? Dans les transmissions. C'est pas possible! Au code. Dans les transmissions. Oh là là, Lucienne aura... Attendez, Attendez, excusez-moi. Est-ce qu'on peut dire la... La date de naissance? Oh, vous pouvez, ça me gêne pas. Madame, vous avez 81 ans? Eh oui, j'ai 81 ans! Ouh là 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 là! Garde à vous, Jean-Luc. Oh là là, mais regardez, mes amis, regardez Lucienne! Mais vous étiez alarmée, là? À 20 ans. Vous aviez 20 ans? Eh oui. Oh. Et toutes mes dents, hein. Eh ben écoutez, Lucienne, mais Lucienne, et vous l'avez là, dans la poche! Oh. Ben, vous voyez... Moi, quand je vois ça, ça me met du bonheur. Eh, mais pourquoi vous pleurez, alors? Mais je trouve que c'est tellement merveilleux de prendre sa destinée en main, de venir là de Marseille, et c'est un bonheur de vous recevoir. Merci, Jean-Luc. Merci à vous, pour de vrai. Eh bien, écoutez, on va parler d'âge. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Parce qu'on a tous un peu 10 ans quand on regarde attention à la marche. Chaque midi, on a 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu ne vois pas. Hey! Tarte ta gueule à la récré. Sur 100 Français, combien sont incapables d'estimer correctement l'âge d'une personne? Karine? Je vais dire 42. 42% incapables d'estimer correctement l'âge. Vous estimez à peu près juste, Lucienne? Un peu plus. Vous verrez, plus. Un peu plus. Un peu plus. Pas beaucoup. Pas beaucoup? Non. Voilà, la réponse est-elle un peu plus, comme dit Lucienne? 45. J'aurais dit 45. Non! Vous l'auriez dit? J'aurais dit 45. Eh bien, vous étiez presque en tout pile, alors. Hein. Ça va, Lucienne? J'espère. Jusque-là, ça va.
Mon adjudant. Dans des sailles. En moyenne, combien de fois par mois une personne à la retraite, cela tombe bien, joue aux cartes? Par mois? Oui. 5 fois. 5 fois par mois, bien. Ouais. Une personne à la retraite, hein, Karine. Hein. Plus ou moins, Karine? Je dis un peu plus. Un peu plus. Les retraités ont répondu à cette question. Les personnes à la retraite... Oh, une fois. Lucienne, ça continue de monter, Lucienne. Eh oui, parce que c'est une moyenne. Alors, il y en a qui jouent pas du tout, voyez-vous. Il y en a qui jouent... 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. La question suivante va nous parler d'amitié. Qu'est-ce que pour vous un réel ami? Nous parlons bien sûr de l'amitié. Pour vous, définition, Karine, un ami? Que je peux appeler à n'importe quelle heure. N'importe quelle heure du jour et de la nuit. Oui. Si j'ai besoin. Lucienne, pour vous? L'amitié. C'est la personne que l'on trouve surtout quand on est dans le malheur. Surtout dans le malheur? Oui. Sur 100 femmes, combien n'aiment pas les amis de leur conjoint? Et sa papote, sa papite. Et sa pépite, les papotes. Karine? 39. 39 n'aiment pas les amis de leur conjoint. Lucienne, les amis des conjoints, généralement, sont vos amis ou... Pas obligatoirement, oh, non, non. Un tout petit peu plus aussi. Hein. Un petit peu plus? Ouais. Combien n'aiment pas, donc je dis bien catégoriquement, les amis de leur conjoint? Les femmes ont répondu à cette question. À 17, c'est moins, Karine, ça monte pour vous. Mais Lucienne garde le sourire. Question suivante. En météorologie, sur combien d'années sont calculées les normales saisonnières? Lucienne, en combien d'années? 50 ans. Sur 50 ans, les normales saisonnières. Karine, c'est le jeu du plus ou c'est le jeu du moins? Je veux dire moins. Vous diriez moins. Tout sur la météo, grâce à notre ami. Eh bien, on donne le nom de normale saisonnière, c'est-à-dire standard, à des moyennes établies sur une période de 30 ans. C'est moi, Karine égalise. Ah là 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 là. On refait le match, alors. Il va falloir malheureusement vous départager. Je ne sais pas qui va décoller pour les marches finales. Vous êtes à égalité. Bonne chance pour la question en or. Karine, c'est à vous que s'adresse cette question. Au début du XVIIIe siècle, combien de planètes du système solaire connaissait-on? Au début du XVIIIe siècle. Je vais dire 5. 5. Lucienne, qu'est-ce que vous calculez? Dites-moi. Je calcule les planètes que je connais. Oui. Alors, vous en connaissez combien, quand même, là? Vous en voyez combien, vous? Je vois 6. Un peu plus. Un peu plus, on est? Oui, un peu plus. Un peu plus. Vous en voyez 6. Vous pouvez les nommer la première pour voir? Bon, mais la Terre, hein? La Terre. Ami? Alors, dans l'ordre, oui. Jean-Luc. Oui. Dans l'ordre à partir du Soleil. Mm. Alors, nous avons dit la Terre à part, hein, mais on la compte. Mercure, Vénus. Au début du XVIIIe siècle. Hein? Absolument. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, ce qui nous fait 6. Lucienne, vous montez sur l'escalier. Lucienne. Vous êtes venue de Marseille. Vos petites filles sont ici dans le public. Lucienne. 81 ans, nous allons monter de pied ferme sur l'escalier, ensemble. Merci. Ça va jusque-là? Merci, Jean-Luc. Attendez, ne bougez pas, Lucienne, car nous allons tout de même offrir un très joli cadeau à Karine, et puis pour l'encourager dans ses études, un combi télé et DVD.
dans la chambre, dans la cuisine ou au salon, en jean, en short, en pantalon, regardez ses DVD sur sa télé. Inch'Allah bébé, tu l'as gagné. Merci à vous. Bonne chance à vous pour les études. Merci. Et puis bonne route avec votre petite amie. Merci. Lucienne, comment vous dire le bonheur que nous avons à vous accueillir à midi peut-être pour empocher 10 000 euros. On papote et puis ça y est, on est là sur l'escalier aujourd'hui. C'est une belle journée, hein? Oui, Jean-Luc. 250 euros pour commencer. Eh ben, c'est pas mal, hein? Beaucoup d'émotions en ce midi. Avant de monter tout là-haut sur l'escalier, je vous propose un petit peu d'altitude. Vous me prenez le bras? On y va ensemble? Quel plaisir! On prend un petit peu d'altitude. Celle-ci semble, à mon avis, à votre portée. La première, vous savez, on commence toujours assez facile. L'altitude moyenne du continent européen. Le continent européen, l'altitude moyenne, est soit de 340 mètres, soit de 1240 mètres, le continent européen, en moyenne. 380 et des poussières, là. 340 mètres, oui. Ça vous semble bien? Oui. La réponse est-elle la bonne, s'il vous plaît? Celle, elle l'est, eh oui. Tout commence pour le mieux. Lucienne, apparemment, ils sont ravis de vous offrir 500 euros, tant la production que le public. Alors, nous allons écouter un grand monsieur et nous allons écouter son tout premier disque sur la marche suivante. J'aime la foire où pour trois sous l'on peut se faire tourner la tête. C'est son tout premier disque. Sur les manèges aux chevaux roux, au son d'une musique bête, les lampions jettent au fil. Le disque s'appelle La Foire et c'est son tout premier disque que nous avons retrouvé, Jacques Brel. Et justement, ce premier disque, La Foire, s'est vendu à combien d'exemplaires? Soit 200 exemplaires, le tout premier disque de Brel, soit 200 000 exemplaires. Le premier disque? Ah, c'est le premier de chez Premier, hein? Le premier de chez Premier. Vous réfléchissez. Je m'adresse juste aux téléspectateurs qui veulent gagner, pourquoi pas, 1000 euros tout à l'heure. 0-897-66-4000. Vous vous inscrivez, le standard est ouvert. Allez-y, sans aucun problème. 0-897-66-4000. C'était donc avant qu'il devienne célèbre, hein, vraisemblablement. Évidemment. Alors, je dirais 200. Alors, vous diriez 200. Oui. On marque une petite pause, Lucienne? Oui, Jean-Luc. Ça va aller? Avec vous, toujours. C'est gentil, Lucienne. Chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps. Bonjour, nous valsons au rythme, bien sûr, de Lucienne en ce midi. Et je tiens à préciser que Lucienne est venue avec ses petites filles. Lucienne est marseillaise et je tiens à le préciser également parce que, eh bien, on en a parlé. Lucienne a 81 ans et elle est venue jouer avec nous. Merci, Lucienne. Merci, Jean-Luc. On a fait un sans fou. On écoute Jacques Brel, son tout premier disque, La Foire, dont nous avons entendu un extrait tout à l'heure. S'est-il vendu à 200 exemplaires ou à 200 000 exemplaires? Vous avez répondu, Lucienne, avant la pause. 200. 200 exemplaires. Est-ce la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Le public scande votre nom, Lucienne. La France, Marseille est à vos pieds. Nous vous offrons 1000 euros, vous faites un sans faute, Lucienne. Pourvu que ça dure, hein.
On va tenter de doubler la mise sur la marche suivante. Donnez-moi la main tranquillement, nous y allons ensemble. Tout le monde est là, je vois que tout le monde est là. Et tout ce style, c'est Wood Reggae Raga. Tout le monde est là, je vois que tout le monde est là. Et tout ce style. Avez-vous dansé le. Vous dansez aussi? Je danse autour, moi. Vous dansez le tour? Ah oui? Vous arrivez. Vous avez... Ah, mais vous faites. Le reggae aussi? Ah non, tout le monde est là, tout le monde est là. Attention, celle-ci n'est point évidente. Peut-être un piège, peut-être pas. Le premier recensement complet de la population française eut lieu en quelle année? Soit en 1328, soit en 1728. Ça, c'est dur. Oh, j'en sais rien. Premier recensement... 1328, ça fait 1400 ou 1700. Autrement dit, au 14e siècle ou au 18e siècle, si vous voulez, Lucienne. Oh, au 18e siècle. Le premier recensement? Oui. Bien. Nous nous... Retournons, toutes oreilles ouvertes, je dis allô, bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour, c'est Émilienne. Émilienne? Oui. Mais Émilienne, je vous présente Lucienne. Enchantée, madame. Émilienne, oui. Vous nous avez téléphoné? Oui. 0897? C'est là. 66? Oui, 4000. 4000? Oui. Eh bien, on vous offre 500 euros. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil à vous? Merci. Est-ce que nous sommes d'accord avec 1728, le premier recensement de la population française? Eh bien, je pense, oui, oui, comme elle. Je pense comme elle. Vous, je lui fais confiance. Vous lui faites confiance. Bien. Alors, ce recensement a eu lieu à quelle occasion? C'est la question que je me pose. Eh bien, à l'époque de Philippe VI de Valois, sous le titre « État des paroisses et des feux » ou « foyers » ou « familles ». À l'époque, Philippe VI de Valois. On recense à l'époque 19 millions de personnes environ, et c'était en 1328. J'ai pensé. Aïe, désolé. Oui. Bon, quand même, 500 euros pour Émilienne. Oui, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon appétit, Émilienne. Merci également et bonne chance à Lucienne. Merci. Merci, Émilienne. Lucienne, on garde les 1000 euros, bien oui, sûr. C'est déjà ça. Et on va tenter quand même 5000 euros sur la dernière marche à midi. C'est la dernière, hein? Oui. C'est la toute dernière. Et on va ouvrir la porte. Parler de bouteille. Et de quelle bouteille? D'une très jolie bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille. Veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. J'ai traîné dans tous les quel cafés, jeudi du mois de novembre arrive traditionnellement le Beaujolais nouveau. De me payer un coup à... Le Beaujolais nouveau. Je pense que ça peut être à votre portée, Lucienne. Je bois pas, moi. Eh, le jeudi. Est-ce le premier jeudi du mois de novembre? Le Beaujolais nouveau. Ou alors le deuxième? Ou, vous l'avez bien compris, troisième? Ou pour 5000 euros, le quatrième jeudi du mois de novembre? Allez, le 2. Le 2. Allez, le 2. Le deuxième jeudi du mois de novembre. Bien, nous nous retournons. On va demander à vos petites filles si toutefois elles sont d'accord. Sophie. Pas du tout d'accord. Ça, vous n'êtes pas du tout d'accord? Absolument pas. Ah, pas du tout. Non. Non. Eh ouais. Bien. Amis du public, si toutefois vous n'êtes pas d'accord, tout comme les petites filles de Lucienne, ici même. Vous êtes priée de vous lever si vous n'êtes pas... Oh, Lucienne. Lucienne. Bon. Je vous tiens le bras, Lucienne. Eh bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Ben oui. C'est-à-dire, on va... À changer. Vous pensez qu'on va changer? Ouais.
Bien. Lucien, nous nous retournons pour la dernière fois par ici. Lucienne, est-ce que l'on change? Et si l'on change, nous prenons quel jeudi? Bah, je vais écouter ma petite fille, hein. Oui. Le 3, hein. Le troisième. Oui. Il y a 5000 euros à la clé. Lucienne, je vais vous demander une première case. Mais la 2, t'es. Y a-t-il 5000 euros à midi derrière le deuxième jeudi pour le Beaujolais nouveau? C'était votre premier. Tu vas voir que c'est le 2. Tu vas voir que c'est le 2. Non. Ah, oh. Oh, ça va, un peu mieux. Lucienne. Deuxième case que nous dévoilons. Le 1. Le 1. Si c'est le troisième jeudi du mois qui est fêté le Beaujolais nouveau, vous gagnez 5000 euros. J'en ai jamais bu, du coup je me mettrai à boire. Sous les caméras de Jean-Jacques Amselem, la case se dévoile. C'est du bonheur et c'est rien que du bonheur. Ça va aller? On en a des émotions quand même. Hein? Est-ce que tout va bien, Lucienne? Ça va aller. J'appelle la police, j'appelle les pompiers. Vous voulez qui, Lucienne? On va respirer bien fort, Lucienne. Et on écoute de l'opérette. Merci. On me fait une ovation à Lucienne qui était à midi à la télé. Merci à tous. Merci à vous, Lucienne.